Salut tout le monde, rebonjour sur la chaîne Le Club Le Grand Galop. Aujourd'hui, je vous fais une nouvelle vidéo. Je reviens en forme de belles vacances d'été. Il y a eu des hauts et des bas, dans le fond. En tout cas, bref. Je vais vous expliquer la dernière vidéo qui a été postée, ça fait environ une semaine et demie. Ouais, quelque chose comme une semaine et demie. C'était la générique dans mon club, dans le fond, la nouvelle série que je veux faire. Ouais. Prochaine vidéo, ça va être. Il va y avoir info-série. Il va y avoir. Projet X équitation. Et l'autre vidéo, je me souviens plus. Ça va avoir trois vidéos. En tout cas, c'est, je m'en souviens plus. Bref, c'est ça. Et puis je pense que c'était, je crois, si je me trompe pas, c'était explication pourquoi j'ai pas été là durant le test. Sinon, je me souviens plus. Mais en tout cas, je vous le dis pareil dans cette vidéo-là, mais sinon vous allez l'avoir dans le double ou je vais supprimer l'autre vidéo. Je sais pas encore. En tout cas, bon, ça l'explique pas. Bon, il y a eu, c'est ça, je suis partie cette semaine et demie sur un camp d'été. Enfin, un camp d'école avec les cadets à Valcartier. Cette semaine et demie, je viens de le dire. Et après ça, quand je suis revenue, je suis partie une semaine et demie chez mon père. Donc, ça fait quelque chose que je suis revenue chez ma mère. Parce que j'ai recommencé l'école une demi-journée, je recommence l'école bientôt. J'ai hâte. Fait que c'est ça. Ça, c'était l'info de l'été. Pourquoi il n'y a pas eu vraiment de vidéo? Parce que le réseau il était merdique, je vous dis, ben franchement. Et que j'avais genre juste pas le temps de faire des vidéos. Bref, et j'ai fait des achats à Galerie de la Capitale à Québec, Mont-Laurier, dans le coin de Valcartier, et chez Ardennes à Montréal, je suis allée, avant de partir sur mon camp d'été, j'étais allée à la Ronde, puis c'est ça, là, genre j'ai acheté un petit truc à la ronde. Fait que, ah, puis une autre parenthèse que je veux faire, je veux vraiment m'excuser de m'avoir resté avec vous que je disais que c'était une laisse et non une longe. Je vous confirme, une de mes amies, pendant mon qualité, est fanatique de chevaux, ici de cheval, etc. Ben, d'avoir dit deux de mes amies, mais en tout cas, il y a une amie qui m'a vraiment confirmé que c'était une longe, qu'on dit ça au Québec. Je m'en excuse. Et l'autre, ben, ça doit être une longe de travail, comme j'ai vu sur le site de Pat. Ouais, c'est ça. Et prochain achat que j'ai fait, ça va être les vidéos vont s'appeler colis. Le colis, que c'est un licol éthologique, et l'autre, c'est des achats chez Pat que j'ai commencé à acheter. J'ai vraiment hâte de les recevoir. Donc, je commence ma vidéo sur mes achats, parce que sinon, je finirai jamais ma vidéo. Donc, excusez-moi, je suis enrhumée un petit peu. Bon. Je vais commencer par... Bon. C'est ça. J'ai acheté pour mon DS 3D. Tadim! Que j'ai reçu à Noël. Noël passé. Roller Coaster Tycoon 3. Il m'a coûté une vingtaine de dollars. Le jeu est en anglais. Je trouve ça plate. Et Nintendo Plus 4. Je sais pas ce qu'il a rassoché, celui-là. Une trentaine de pièces. Il disait qu'il était en anglais, le jeu, mais il est en français. Je suis contente, à vrai dire. Parce que c'est ça. Dites-moi dans les commentaires si vous voulez que je fasse une série sur soit Roller Coaster Tycoon ou Nintendo de préférence. Ou je vais vous faire peut-être une autre vidéo sur mes jeux de DS, dans le fond, et de Game Boy. Donc, j'en ai quelques-uns de Game Boy. Alors, dites-moi en commentaire si jamais il y a un jeu en préférence que vous voulez peut-être que je fasse une série là-dessus. Ou sinon, jamais vous me le dites pas en commentaire, mais je vais peut-être faire une série sur ces jeux. En tout cas, ça c'était des achats que je me suis fait. Ouais. Ça va aller avec ça. Je me
ça acheter. Ce sont des enveloppes, dans le fond. Je vais juste vous montrer rapidement à quoi ça ressemble. Genre, il y a des collants comme ça. Il y a des cartes postales de même. C'est vraiment une carte postale. J'en ai des roses, j'en ai des vertes. J'ai des enveloppes dans le fond vert, ça fait avec les cartes postales. Et j'ai des enveloppes roses. Et j'ai envoyé mon école éthologique dans une enveloppe comme ceci. Et tout ce que ça, j'ai acheté ça chez Toys R Us. Et ça m'a coûté 9,95. Donc là, vous avez tous les détails qu'il y a dans le sachet. Et je m'en ai acheté un autre de Bella Sarah. Je vais vous montrer. Avec les collants, dans le fond. C'est la même chose, dans le fond, pour les chevaux. J'ai des enveloppes comme ceci. J'ai des cartes postales qui sont un petit peu plus foncées. J'en ai d'autres qui ressemblent à ça. Et des enveloppes comme ceci. Et ceux-là, ben, je ne les ai pas vraiment encore utilisés. Et là, on va tout à l'heure. Et ça m'a coûté 9,95 chez Toys R Us aussi. Ça, je vous en ai parlé. Comme je vous parlais, je suis allée chez Ardennes. J'ai fait quelques achats, dans le fond. Il y a mon chat qui est à côté de moi. Ben, je suis allée deux fois chez Ardennes, dans le fond. Ça, c'est des vêtements que je vais vous présenter après. Mais là, je vais vous présenter plus les bijoux. Parce que comme il y a eu un bal, dans le fond, fait que je suis allée m'acheter des bijoux. Alors, c'est un premier collier qui est plus long, avec des fleurs pis tout ça, avec les boucles d'oreilles. Chez Ardennes qui vaut 24,50. Mais c'était un 2 pour quelque chose, là, je ne sais plus trop. Et le deuxième collier que j'ai porté pour le bal, dans le fond, sur mon canapé, mon bal de Kélécone, et c'est un petit collier. Avec les boucles d'oreilles. Eux aussi, si je l'aurais acheté à l'unité, ça aurait coûté 24,50. Ensuite de ça, chez Couche-Tard, je me suis acheté ce bag-ci que j'ai porté pour mon bal qui a coûté 20$ avec les taxes. Ouais, c'est ça, avec les taxes. En train de bail de fiançailles ou de mariage. Et ça, c'est mon compagnon de bal qui m'a acheté à 20$ aussi dans une pharmacie. Mais pour finalement me planter à la danse. C'est plate, mais bon. Et en trouvant sur mon cadet, je me suis trouvé des belles petites boucles d'oreilles. Oui, ça représente bien mon élément, vu que j'adore la marine. Pour mon bal, je me suis acheté un crayon noir, parce que j'en avais besoin. Je me suis pas acheté gros, mais un crayon noir de... Il y a l'air gris, mais c'est noir. Vraiment noir. De la marque Annabelle. Non, le numéro 73. Je me suis acheté un gloss. Pas un gloss, je veux dire du mascara. Je trouve qu'il sent vraiment bon, sérieux. Ça sent vraiment ça. Il y avait plusieurs trucs de même, mais je sais plus trippé sur celle-là. Ça fait. Vu que j'ai des petits cils. Fac Lash. Fac. Et un petit gloss de la marque Annabelle aussi. Big Show. Que ça fait plus couleur peau. C'est un peu plus discret. J'aurais peut-être plus voulu plus de couleurs, mais je remagasinerai. Que ça, c'est ça. Mais c'est plus vraiment les prix. Bon. Je me suis acheté. Vraiment désolée si je parle un peu vite parce que je veux pas que la vidéo dure
Non, non plus, puis je veux aussi me grouiller un peu, puis ça me tente pas vraiment à faire en deux parties, fait que j'aime bien faire vraiment des décollants. D'autres stickers. Je me suis plié les prix. Et une serviette à 7,88 chez Jean Coutu que j'ai acheté. Sauf la serviette de chez mon papa. Bon. Sur mon camp d'été, je me suis acheté une bouteille d'eau. Sauf ça m'a pris tout mon camp d'été. Puis ils ont oublié de mettre une poêle. J'ai dû être retournée, mais bon. Puis ça, ben, c'est écrit. KD.ca. Si vous voulez aller sur le site internet. Et le logo de Valcartier. Ça m'a coûté 6$. Ensuite, je vais vous parler de Papo. Les Papo 2013. Je suis vraiment contente parce que le premier livre que j'ai eu, c'était 2009. Puis, il en faut pas toutes les années. Je trouve ça plate. Comparativement au slush, il en faut toutes les années. Fait que je vais vous montrer un petit peu les nouveautés. Côté cheval. Une fois équitation. Il n'y en a pas beaucoup, je trouve, de nouveautés. Nouveauté, il y a ces deux-là, arabes, ils sont vraiment beaux. Sinon, c'est pareil dans le fond. Oups. Je vais y aller un petit peu vite là. Vraiment de rien de nouveau et vous pouvez commander tout ceci. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau? Il y a ceci, ça, le rouge, et quelques petites nouveautés. Lui, je crois qu'il est nouveau parce que je ne l'ai jamais vu. Et ça tombe neige. D'accord, je vais vous montrer mes papos que j'ai achetés durant l'été. Mais il y en a non. Le premier, je me suis plus des noms que je leur ai donné, mais c'est les chevaux et les personnages que je vais utiliser pour la série dans mon club. J'ai donné les numéros pour les différencier dans le fond pour me souvenir. C'est. Oh mon désir, mon nom m'a piqué. C'est ça, le numéro 1. Et j'ai acheté des ensembles. Donc, le chien et papa, ça m'a coûté 200$. Numéro 2. Je suis vraiment contente, sérieux, je trippe. Numéro 3. Numéro 4. Numéro 5. Et j'ai des personnages en triple et en double. J'allais l'oublier. 6. Et le septième. Trouve le collier de chasse n'est pas réaliste. Trop, il aurait fallu qu'il ait mis la ligne jusqu'au dessus. Mais bon. Côté personnage, nous avons lui. Nous avons elle qui s'appelle Marie-Lou. Nous avons elle qui est Julia. Elle qui est MP Marie-Pierre. Lui. Elle. Le chien. Elle. Et ces ensembles, vous pouvez les acheter chez Patton. Là, c'est étonnant. Elle, c'est Marie Tour. Et. Julie. Non. Je vais vous montrer. Bon, je vais commencer par. Après ça, je vais aller dans les livres de cheval que j'ai acheté. Le spécialiste de l'équitation. C'est un de mes livres vraiment préférés parce qu'il complète toute l'équitation. Vraiment western et classique, excusez-moi. Vraiment tout. Tout, 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 tout. C'est vraiment bon comme livre. Je vous le conseille. Il m'a coûté 29,95.
Je trouve que j'ai payé un peu cher, mais il en vaut vraiment la peine. Ensuite, j'ai acheté un petit calepin avec des chevaux. Quand j'allais voir la pharmacie, j'ai vraiment sauté dessus. Il y a des petits chevaux et sinon, c'est des pages blanches. À 4,95. Ensuite, un moyen lit. Qui est lui saut avec un aimant. Il y a toujours les petits chevaux. Et c'est des pages neutres, dans le fond. Oups. 7,95. Et le plus gros. La Bible sur l'équitation. Je vais faire une Bible sur l'équitation. Je vais peut-être faire des vidéos dessus. Je sais pas encore. Vraiment pas. Alors, il y a des noms de chaînes, mais on s'en fout. Ça, c'est tous les personnages, dans mon club. Ça m'aide quand je fais mon filmage, parce que des fois, j'ai des blancs de mémoire. Mais non. Ah, ça, c'était qui? La Bible sur l'équitation. Il y a une partie qui c'est... C'est un peu une histoire. C'est un peu mon imagination. Mais il va y avoir aussi des photos et tout ça. Je sais pas encore. Sinon, ça va être vraiment mon imagination. Puis je vais peut-être juste pas faire de vidéo dessus. Et un dessin que j'ai carrément manqué. Et j'ai même surligné le nom de ma chaîne YouTube. J'avais vraiment rien à faire. Vraiment désolé. Un livre qui a vraiment pas rapport avec les chevaux. Richard Cassel, Vague de char, premier livre. C'est un livre. Dans le fond, Richard Cassel, c'est lui. Il joue dans la série Cassel, à Série Plus. Et en anglais, sauf que je me souviens plus sur quelle chaîne. Moi, je sais plus. En tout cas, c'est un Richard Cassel dans la série. Il est écrivain en étant policier enquêteur sur des meurtres. Et je croyais au début que c'était fictif. Je pensais pas qu'il écrivait vraiment des livres. Donc, quand j'ai vu qu'il y avait des livres, ben, une de mes amies a acheté. Ah, oh, oui, il y a des livres. J'ai voulu tout acheter ces livres, sauf que j'avais un manque d'argent. Donc, je me suis dit que j'en avais juste assez pour un seul. Mais quand je vais réussir à le finir, je vais acheter le prochain. Je vais vous montrer les le deuxième et le troisième livre. Mise à nu et Froid d'enfer. Deuxième et troisième livre. Et si je pourrais un jour le rencontrer, je le ferai signer mes livres. Je vais juste vous montrer mon signe. Un signet de cheval que j'ai payé 4,99. Le livre, je l'ai payé 22$ avec les taxes et il vaut 17,50€. Vraiment bon livre de police. Roman policier, je veux dire. Alors, je continue sur mes livres d'équitation. Je prends soin de mon cheval. Et le livre qui soit safe, c'est Je monte à cheval. Donc, ce livre-là, il parle de vraiment... comment s'occuper de son cheval et il m'a coûté 24,95. Je monte à cheval avec l'autre livre qui te dit je prends soin de mon cheval. C'est vraiment toutes les techniques, positions, conseils sur je monte à cheval. 24,95 lui aussi. Oups, il glisse celui-là. Manuel d'équitation western. Dans le fond, c'est toute la technique du blabla aussi. Beaucoup de blabla. Bah, pas beaucoup de blabla, mais je veux dire, c'est technique, position, etc. T'as même des exercices que tu peux faire, les alignements, puis tout ça. Je trouve qu'il a coûté cher. 49,95 et il vaut 32€. Et voilà. Mais ça va bien me conseiller vu que j'adore le western. Ah, je viens de penser, mes cheveux s'est attaché par une pince. Simple pince. Et
Ouais, c'est ça. J'ai acheté ça dans une pharmacie avec le maquillage. À vrai dire, je vais juste vous donner une idée. C'était comment ma coiffure. Genre, j'ai pris mon toupette. J'ai demandé à une fille. Elle m'a fait une tresse. J'ai pris ma tresse, mes cheveux dans le fond complet. Et je me refais la coiffure que j'avais. 30 secondes. Parce que là, il fait chaud. Et voilà. Ça ressemblait à un truc dans le genre. En tout cas, il y a un peu ma fait. Ça ressemble à un truc comme ça, mais mieux fait, là. Parce que, en tout cas. Et pendant la danse, ben, j'ai défait mes cheveux. Bon, là, j'ai carrément manqué, là. Je suis vraiment défait. Ouais, on s'en fout. Un prochain livre. Galop 1 et 2. Fondamentaux de l'éducation d'après le nouveau programme officiel Galop 1 et 2. Et le prochain livre, Galop 3 et 4. Après ça, ça va être sûrement 5, 6, 7, je crois. Alors, Galop 1 et 2, tu as tout le, dans le fond, pratique. À la fin, tu as un examen théorique. T'as les réponses et t'as un examen pratique sur le cheval. Même affaire au galop 2, je trouve que pour les robes, il aurait dû avoir utilisé vraiment des robes réelles. Mais ça, c'est ça. C'est pas moi qui fais les lieux. Non, pas Daniel. Je rends mon cheval heureux. Le livre était neuf parce que il était enveloppé dans le fond dans un plastique. Il a coûté une vingtaine de dollars. Il coûte 13,90 euros. Donc, c'est tout comment des trucs, comment mettre ton cheval heureux, le rendre heureux. Et il y a même. Si je me trompe pas. Je vais juste essayer de peut-être le trouver. Ou sinon, c'était peut-être juste pas dans ce livre. Non, c'était pas dans ce livre. Je pensais qu'il avait comme il avait mis une recette de bon cheval, mais non. En tout cas, désolé. C'est une petite parenthèse. Prochain livre. Bientôt avant d'aller. Dressage, technique et apprentissage. Donc, c'est toute technique, apprentissage sur le dressage. Et puis tout ça. Et je l'ai payé 39,95 et vaut 22,60 en France. Un livre que j'aurais peut-être pas dû acheter tout de suite, c'est Saut d'obstacle 85 conseils pour s'améliorer. Je trouve personnellement qu'il aurait dû avoir mis des dessins plus réalistes. Mais bon, je vais juste vous montrer le premier volume. Volume numéro 1. Et voilà. Et il a coûté 59,95. Il a coûté un petit peu cher. Dernier livre. Excusez-moi. Dernier livre. Parfaire son équitation. Donc, c'est tous des trucs conseils pour améliorer ton équitation. 33,95. Bon, je me grouille un petit, tout petit peu. Alors, je me suis acheté un chapeau de cowboy. À 14,99 à la ronde, la marque elle est celui-ci. Bon, je n'aurai pas mon coiffeur. Ouais. Je vais faire bientôt ma tenue rose. Ensuite, je me suis acheté deux toutous, petits toutous. Ils sont revenus à 30 $.